Poisson et ascendant poisson, dans votre horoscope de ce mois d'août, comme d'habitude, le soleil va traverser le deuxième et le troisième décan du lion jusqu'au 22. Le lion, c'est un secteur de votre zodiaque, le secteur 6, qui est celui du service. Et on sait que vous, les poissons, vous aimez rendre service. Vous êtes toujours très dévoués aux autres et vous le serez encore cette année, et peut-être que ça vous cassera les pieds et que vous vous direz que vous en avez marre, que vous aimeriez bien que les autres respectent un petit peu votre territoire, vos limites. Nous verrons ça avec les planètes en Gémeaux. Cette période Lion devrait vous inciter quand même à vous exprimer davantage sur ce qui vous ennuie et ce qui fait que vous avez l'impression qu'on abuse un petit peu de votre gentillesse et de votre générosité. Certains ont pris l'habitude et peut-être qu'il faudrait les déshabituer. Après le 22, le soleil sera en Vierge, face à vous, votre secteur 7, peut-être vous ferez des rencontres, peut-être que vous aurez des invitations. La fin du mois, pour le premier décan, sera plutôt agréable, au niveau surtout des relations, bien entendu. Côté activité, alors c'est là où le bas blesse, comme on dit, c'est-à-dire que en tant que poisson, la présence de Mars et de Jupiter en Gémeaux, ça forme une dissonance dans votre secteur 4, de la famille, de la patrie, de votre territoire et même votre territoire personnel, c'est-à-dire la maison. Alors, est-ce que vous avez des travaux à faire chez vous? C'est possible. Mars, Jupiter, c'est planète de feu, donc on y va, on remet des choses en place, on reconstruit, vous faites partie peut-être de ceux qui ont eu des problèmes avec l'eau dans l'année. Et vous faites profiter de l'été pour faire les travaux. Cela dit, si vous êtes en famille pour les vacances, il est possible que vous soyez un petit peu mal entouré des personnes qui chercheront la polémique, les critiques. Cela dit, il y a les Jeux Olympiques et il y aura toujours des mécontents. Il y aura toujours des gens qui seront là pour critiquer. Vous, en tant que poisson, vous n'aimez pas du tout la critique. Vous êtes plutôt justement du genre à l'éviter, à la fuir. Donc, cette situation dont vous serez obligatoirement le témoin, ça peut vous déranger dans votre tranquillité, tout simplement. Vous aurez du mal peut-être à vous détendre et à être bien avec vos proches. Côté cœur, Vénus va s'opposer à vous, mais c'est une bonne opposition, à partir du 5, et elle va être en Vierge et elle va y rester tout le mois. Alors c'est vrai qu'il y a un moment, elle va s'opposer à Saturne, et si vous êtes du deuxième décan, ce sera un petit peu morose pour vous, peut-être vous vous sentirez un peu seul. Mais d'abord, dans un premier temps, le premier décan pourrait faire des rencontres, si vous êtes en couple, il y aura un rapprochement, vous partagerez beaucoup. Vous aurez plein de choses à vous dire, plein de commentaires à faire sur l'actualité, peut-être. En tout cas, ça vous rapprochera. Donc, le deuxième décan, lui, l'opposition Vénus-Saturne, ce sera pas franchement rigolo. Mais bon, peut-être que vous rencontrerez quelqu'un de plus âgé ou... Alors que si vous êtes déjà en couple, peut-être vous prendrez un peu de distance, dans le but de réfléchir, parce que faut pas prendre de décision, sous une dissonance Vénus-Saturne, on prend du recul et on réfléchit.
Et puis le troisième décan sera une opposition de Vénus avec Neptune, donc attention à ne pas vous faire des idées sur quelqu'un, à ne pas être dans l'illusion ou dans le déni aussi d'une situation qui peut être un petit peu toxique. De bonnes journées le 11, le 17, le 24 et le 30. Bon, d'abord pendant la période Lion, faire ce que je vous ai dit de faire, c'est-à-dire essayer de mettre des limites, de poser des limites à ceux qui abusent de votre... Eh bien, je vous souhaite un très bon mois d'août. Si vous voulez plus d'horoscopes, vous savez ce que vous pouvez faire, hein, consulter nos réseaux sociaux ou nous écouter dans nos lives du mardi et du vendredi, quoique... Mois d'août, on va peut-être ralentir un petit peu la cadence de manière à pouvoir aussi prendre des vacances. En revanche, on sera là pour les consultations. Donc, si vous avez besoin d'un conseil, d'analyser votre thème, vous pouvez donc prendre rendez-vous. Très bonnes vacances à tous!